John Textor affirme qu'il va renforcer Lyon pendant l'hiver. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais rebondir sur le propos de John Textor. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parlait de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est pas, on est parti. Alors, le président de Lyon, l'actionnaire majoritaire, en l'occurrence ici, John Textor, annonce que Lyon va renforcer, ils vont renforcer leur effectif pendant le mercato hivernal. Là, franchement, ça c'est une communication qui est presque maladroite. Pourquoi? C'est une façon de dire que les joueurs qu'il y a actuellement sont nuls. C'est une façon de dire que vous ne jouez pas bien. Lorsque moi je regarde l'effectif de Lyon, pour moi, ça doit au moins être dans le top 15. Maxi top 15, les amis. Maxi top 15. Vois Lyon, 18e, dernier du championnat, avec l'effectif actuel. Franchement, ça me paraît un peu. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les amis. Quand tu as les Tolisso, la Lacazette, plein de joueurs. Les Mata, les amis, les Kadewere, ouéré, tu as plein de mecs. Des mecs qui peuvent même jouer l'Europe. Mais Lyon se retrouve en train de jouer le maintien. Pour moi, avec l'effectif actuel de Lyon, Lyon doit beaucoup faire mieux. Maintenant, donc, il nous fait comprendre qu'il va renforcer son effectif. Quel joueur de qualité va venir à Lyon pendant le mercato hivernal? Quel joueur? Quel joueur de qualité? Dites-moi, quel joueur va vouloir venir jouer le maintien? Je parle d'un jeu de qualité. Je parle d'un jeu de qualité. Quel jeu de qualité voudra venir jouer le maintien avec Lyon? Donc, sa communication, pour moi, c'est un peu bizarre. Après, j'espère vraiment que Lyon va se maintenir parce que pour moi, Lyon, c'est un grand club du foot français et tout. Personnellement, j'aimerais le voir se maintenir en Ligue 1. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.